La famille royale vit une rentrée particulièrement agitée. Le prince George, la princesse Charlotte et leur frère Louis ont récemment changé d'école. Les enfants de Kate Middleton et du prince William sont désormais scolarisés à Lambrotte, un établissement privé situé à 20 minutes en voiture de Windsor. Un changement d'école lié à leur emménagement à l'Adelaide Cottage, sur le domaine de Windsor. C'est une décision que les deux parents ont prise pour donner à leurs enfants un démarrage dans la vie aussi normal que possible, expliquait une source proche du couple royal, relayée par l'agence Presse Association. Le 23 août dernier, ils voulaient pouvoir donner à George, Charlotte et Louis un peu plus de liberté qu'au centre de Londres, ajoutait cette même source. Et au vu des derniers événements, le futur roi et son épouse misent plus que jamais sur le bien-être de leurs enfants. La mort de la reine Elizabeth II a envoyé une onde de choc à travers le monde. En deuil. Le prince et la princesse de Galles ont pris une décision importante, compte tenu des circonstances. Selon les informations du Telegraph dévoilées ce dimanche 11 septembre 2022, Kate Middleton et le prince William ont décidé de reporter leur emménagement au château de Windsor pour éviter que leurs enfants subissent un nouveau chamboulement, respectivement âgés de 9, 7 et 4 ans. George, Charlotte et Louis ont déjà dû faire face de nombreux bouleversements, leur départ du palais de Kensington, leur changement d'école et la mort de leur arrière-grand-mère, en seulement 6 jours. Une source interrogée par nos confrères britanniques a déclaré, ils voudront le moins de perturbations possibles dans la vie de leurs enfants dès maintenant. Ils sont très heureux en ce moment à Windsor et durant la prochaine décennie, tout sera à peu près dicté par ce qui est bon pour les enfants. De quoi apaiser leur douleur, dans cette épreuve difficile.